Bonjour les amis et bienvenue sur Web Paranormal. Nous revenons dans cet épisode au classique du genre, c'est-à-dire aux apparitions fantomatiques. Au cours de ces derniers mois, je vous ai présenté de nombreuses vidéos avec ces apparitions spectrales, parfois juste à l'affût et parfois présentant une certaine agressivité. Ces vidéos sont nombreuses sur le net, mais elles ne sont pas toujours authentiques. C'est pourquoi j'ai voulu un avertissement en début de chaque épisode, afin que vous gardiez un œil critique. Ma sélection d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle et je vous laisse juger de la véracité de ces images. Nous débutons avec une armoire qui semble habitée et malmenée par une sombre présence. Puis c'est une jeune fille qui aura affaire à un phénomène étrange et perturbant. Enfin, nous assisterons à l'attaque d'un jeune homme par une masse noire et agressive. Comme quoi, n'oubliez pas de saluer les fantômes potentiels quand vous rentrez chez vous. Certains sont plutôt susceptibles et n'hésiteront pas à vous secouer les puces. Poursuivons notre périple dans les couloirs d'un métro. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces couloirs sombres abritent souvent des entités en perdition. C'est ce que nous allons voir à présent. Puis nous irons sur une voie ferrée où une âme députée semble avoir élu domicile. Pour finir, c'est sur un carrefour d'une banlieue urbaine que nous verrons une entité lumineuse filer en flèche sous l'œil de la caméra. Thank you.
J'ai consacré les trois dernières vidéos de cette série à la gente féminine. Solidarité oblige. Bien sûr, je parle de filles fantômes, ça va de soi. La première semble invisible, mais ça ne l'empêchera pas de se manifester par ses pleurs incessants. La seconde se cache dans une maison délabrée et ne se montre qu'aux visiteurs vex motivés. Enfin, pour la dernière, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une fille. Malgré mes connexions avec le monde des esprits, je n'ai pas réussi à dialoguer avec elle ou lui. Elle se montre, elle disparaît, bref, c'est son truc. Juste de quoi faire peur à ceux qui la dérangent. Ainsi s'achève ma sélection de la semaine et je vous remercie de l'avoir visionnée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des nouvelles sorties. Et mettez un joli pouce bleu si vous avez aimé ma sélection et pour m'aider au référencement. Enfin, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec vos amis. À bientôt sur Web Paranormal.